Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour ce petit rapport sur le jour 8 de notre partie historique sur Suprématie 1914 avec l'Empire allemand. Alors non, ce n'est pas le jour 8, c'est le jour 9 parce que je n'ai pas eu le temps de record le jour 8 malheureusement, donc on passe directement sur le jour 9. Je m'en excuse d'avance, mais je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé le jour précédent. Alors on va déjà s'intéresser au front de l'Ouest car c'est là que ça bouge le plus. Ce qui s'est passé, c'est que l'Italie, ici présente, a réussi à faire un push sur Trieste, puis Sarajevo. Hein. Elle avait capturé toute la côte de l'Autriche-Hongrie et on a dû se redéployer en urgence sur une ligne de défense. Vous voyez que là, il y a des troupes de la Bulgarie qui sont là. Et en fait, on a dû défendre. Alors, et ce qui s'est passé, c'est que l'Italie a réussi à passer en fait en utilisant sa flotte et en bombardant la zone comme je suis actuellement en train de le faire avec la mienne. Ma flotte, elle, était occupée à ce niveau-là en train de bombarder les positions italiennes et russes qui avaient été capturées au début de la guerre. Hein. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et du coup, ma flotte était là, occupée à bombarder cette zone-là. Et donc, j'ai pas pu venir défendre l'Autriche. Ce qui fait que là maintenant, quand j'ai fini de bombarder, j'ai ramené toute ma flotte ici. Enfin, là, il y a encore la deuxième partie de cette flotte qui est là parce que j'ai dû couler une petite flotte de la France qui était cachée là, de 11 croiseurs. Donc j'ai fait revenir ma flotte ici, j'ai coulé ce qui restait de la flotte italienne et ça nous a permis de reprendre l'avantage. Donc on est actuellement en train de recapturer ce qui nous avait été pris. Et on est en train de faire le push à ce niveau-là au niveau de Milan. Et comme vous avez pu le remarquer, la France a pris extrêmement cher. Hein. Elle a perdu la quasi-totalité de son territoire. En tout cas la métropole, hein, parce qu'il lui reste encore l'Algérie. On est actuellement en train de déployer des sous-marins pour lui empêcher d'amener des renforts. Parce que bon, on a un autre problème aussi, c'est la flotte du Royaume-Uni qui en fait nous empêche de nous approcher des côtes. Parce que sinon on se fait salement bombarder et on ne peut pas y faire grand-chose. Sauf que actuellement je suis en train de produire ici un canon surail. Alors je l'ai ironiquement appelé l'anti-rosbif. Enfin, c'est pas ironique justement, c'est littéralement l'anti-rosbif parce que je vais m'en servir pour descendre la flotte du Royaume-Uni. Ça nous fera déjà une belle jambe. Ça nous permettra éventuellement de débarquer chez lui ou au moins de se débarrasser de sa flotte qui nous massacre. Au niveau justement d'ici, là je vous expliquais, hein, on a chassé les Italiens et les Russes qui étaient encore fortifiés ici avec ma flotte. Et désormais, on est occupé. D'ailleurs, je vois ici qu'il y a des Russes qui embarquent à l'instant. Donc maintenant la Bulgarie a ramené ses unités en renfort sur le front ici, auparavant pour faire la ligne de défense. Maintenant elle est actuellement en train de les rassembler pour envahir la Serbie parce qu'elle aimerait un peu agrandir son territoire. L'Empire ottoman quant à lui a capturé Chypre. Et pour vous dire ce qui se passe sur le front de l'Ouest, on va juste terminer l'Italie en attaquant des deux flancs et ça devrait être assez rapide. Donc il restera que le Royaume-Uni. Et la France, mais la France, à mon avis, elle va plus que résister dans ses colonies, hein, vu comme c'est parti. Sachant que là, je peux pas capturer Brest à cause de la flotte britannique et française. D'ailleurs, je crois que le Français est actuellement en train de faire descendre sa flotte par ici pour éventuellement nous essayer de descendre ma flotte à moi, je sais pas. Ou alors il la descend ici pour tenir ça, je n'en sais fichtrement rien. D'ailleurs, je vais envoyer cette petite voiture blindée capturer ça maintenant qu'il n'y a plus rien. Voilà. Donc aussi j'ai produit de l'artillerie supplémentaire hein, qui est juste ici parce qu'on a atteint le jour où on peut créer de nouveaux trucs. Donc là je crée justement le canon sur rail. Ici dans 16 heures j'ai un char léger. Alors je me suis dit pourquoi pas faire des chars même si je pense pas qu'il va vraiment me servir. Et enfin au niveau du front de l'Est vous pouvez voir que c'est vraiment... la Russie a pris très cher, hein. Elle a quasiment plus aucune unité. L'Autriche-Hongrie a capturé ces grosses provinces là parce que elles étaient vides, du coup elle les a juste capturées assez facilement. Moi j'ai encore avancé ici, et là je n'avance pas sur Riga parce que le problème c'est qu'en fait ici il y a une flotte du Royaume-Uni et à chaque fois qu'on essaie de bombarder Riga avec notre artillerie, en fait il ramène sa flotte et il est toujours à portée pour nous tirer dessus. Du coup, au niveau de Riga, on est bloqué pour l'instant et j'attends justement l'arrivée du canon sur rail pour continuer l'avancée. Mais en attendant, l'Autriche-Hongrie, elle capture les provinces qui sont vides et qui sont facilement capturables. Et en attendant, moi, juste, je n'avance pas, je reste en position et j'attends tout simplement l'arrivée de mon canon sur rail ou j'attends que la flotte ici présente s'éloigne suffisamment pour que je puisse continuer à attaquer. Donc là pour l'instant je pense que la partie elle est un petit peu terminée pour la Triple Entente même si bon elle continue de se défendre mais là je pense que
C'est fini pour eux. Alors on va la jouer jusqu'au bout quand même. Hein. Le Royaume-Uni est prêt à se défendre jusqu'à la fin. La France aussi, l'Italie aussi. La Russie, bon, la Russie, elle est un peu devenue inactive. Hein. Elle joue encore de temps en temps. Elle essaie de nous embêter avec des petites unités par-ci par-là. Mais honnêtement, elle peut plus rien faire. Elle est terminée elle aussi. Donc je pense que c'est une victoire pour nous. Mais c'est pas fini. Hein. C'est la partie va continuer jusqu'au bout. Donc voilà, c'était le jour 8 et le jour 9. Alors bon, techniquement, je vous ai présenté que le jour 9, mais bon, je vous ai quand même un peu expliqué ce qui s'est passé le jour 8 avec un quand même très beau push, très bien joué de la part des Italiens au niveau de l'Autriche. Je pensais honnêtement qu'ils allaient pas passer, mais j'avais pas pris en compte leur flotte.